Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Vous avez peut-être entendu parler d'une IA qui s'appelle Midjourney. Midjourney par ci, midjournée par là. Et vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo euh, ce qu'est Midjournée et comment le, la faire fonctionner. Les IA ont fait un bond considérable depuis quelques mois, quelques semaines. Et je me devais de vous présenter ces innovations qui, à n'en pas douter, vont changer beaucoup de choses euh, dans la manière que les artistes ont travaillé, les graphistes, les, euh, les gens qui utilisent l'informatique voilà, comme un support, ce qui est le cas de, de, dans beaucoup de métiers, on a besoin de l'informatique pour ne pas dire tous. Euh, donc je pense que le mot révolutionnaire n'est pas, pas exagéré. Euh, pour commenter voilà ce qui est en train d'arriver dans le monde des IA euh, à travers ChatGPT ou à travers cette euh, IA mais il y en a d'autres il hein, n'y a pas seulement Midjourney et eh bien qui euh, vous permet de commander des images et de les obtenir quelques secondes après vous allez voir c'est assez stupéfiant euh, je vous montre ça tout de suite en faisant un partage d'écran en vous montrant pas à pas et euh, eh bien comment j'utilise moi-même cette et euh, eh bien cet outil d'abord il faut vous rendre sur le site Midjourney ça c'est le partie simple je vous mets un lien en description de la vidéo vers euh, et bien vers euh, tout simplement ce, ce site donc c'est www.midjournée à la fin.com et euh, une fois que vous êtes euh, ici je vous mets de toute façon vous aurez le lien exact il n'y aura plus qu'à cliquer en fait tout ce que vous allez faire c'est que vous avez appuyer sur join de bêta la version bêta de midjournée donc ça, c'est la première étape. J'ai oublié de vous dire qu'il faut au préalable que vous ayez un compte Discord, euh, bah, que vous ayez créé un compte Discord, que vous sachiez un minimum utiliser Discord. Mais vous allez voir, ce n'est pas compliqué non plus, parce que quelques secondes plus tard, nous allons devoir utiliser, switcher sur Discord, parce que les images se créent euh, eh bien, via Discord. Alors c'est parti, join the beta. Donc là, bah, tout simplement, il va me renvoyer... Euh, donc là euh, vous ne le voyez pas forcément à l'écran mais je vais vous montrer tout de suite là il y a un, une pancarte qui me dit rejoindre midi-journée, donc je le fais, je clique et je vais me retrouver ensuite sur Discord tout simplement euh, on me demande de prouver que je suis un humain voilà il faut que je trouve les coccinelles sur les images <laughs> donc ça vous ne le voyez pas mais ne vous en faites pas je vais tout de suite vous montrer ce que je vois voilà donc là je suis à présent sur Discord et je suis dans le, le, le groupe voilà, de midi-journée. Et là, cette fois, je vais partager non pas ma fenêtre Internet, mais ma fenêtre Discord, et tout va s'éclairer pour vous. Donc, nous sommes sur euh, Discord à présent. Donc là, vous n'avez plus besoin du site euh, Midjourney. L'intérêt du site, en tout cas, pour euh, commencer à, à faire vos propres images via l'IA, c'est plutôt les IA qui vont les faire, mais sous votre commandement. Euh, eh bien, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui permet de rejoindre le groupe Discord Midjourney. Voilà, ce petit bateau sur fond blanc. Peut-être que l'icône changera au fur et à mesure, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est ça. Donc, euh, là, je suis euh, dans le groupe. Alors, ça vous paraît compliqué. Il y a 50 000 trucs, 50 000 options. Euh, et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous rendiez sur un des, euh, un des chats Newbie. Alors, il y a Newbie 127, Newbie 157. Newbie 57, ça n'a aucune importance. Je vais aller sur le premier, Newbie 127. Alors, dans un premier temps, euh, il va falloir valider les conditions d'utilisation. Euh, de, euh, donc là, regardez, ce sont des images que, que, qui sont faites par les gens. Hein. Voilà. Est, vous allez voir à quelle rapidité on arrive à produire ce genre d'images. Donc d'abord, je vais... Euh, alors pour valider les conditions d'utilisation, je ne sais plus exactement où on le fait, mais c'est simple. Je vais lui commander une image et il va me dire que ce pas possible parce que vous n'avez pas encore, justement, validé ces conditions. Alors, euh, je vais taper n'importe quoi. Alors, Petite difficulté, si je puis dire, faut pas exagérer. Hein. Aujourd'hui, on a des outils comme Google Translate ou DeepL qui permettent de, 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 bah, de traduire tout ce que vous voulez du français à l'anglais. Il faut lui commander quelque chose en anglais. Donc, j'ai prévu des, des petites, des, justement, des, des commandes à faire pour obtenir des images. D'ailleurs, ça va être amusant. Alors, je vais taper euh, "Sun", donc le soleil en 4K. Voilà, le soleil en 4K. Là, il va me dire. You must accept. Or, oh, regardez, c'est ici. Euh, vous devez accepter nos euh, bah, termes de service, tout simplement. Donc, j'accepte. You have accepted the rules. Donc, là, à partir de maintenant, je vais pouvoir utiliser mid-journée comme tout le monde. Alors, on va commencer bien par D. <laughs> voilà, des. Voilà, j'avais prévu des petites commandes, regardez. Et euh, vous allez être vraiment épaté euh, de la vitesse à laquelle ça va. La première question que j'ai. Enfin, le, le premier... La première commande que je voudrais, c'est un cheval ailé qui galope dans une galaxie. Donc j'ai choisi quelque chose d'assez euh, assez poétique pour commencer. On va voir s'il est capable de donner un résultat euh, probant. Alors, dans un premier temps, même si cette vidéo est en différé, donc je pourrais enlever le temps d'attente, je ne vais pas l'enlever parce qu'on va compter euh, combien de secondes ça prend. Bon. Donc vous devez vous rendre ici sur le, le petit plus. Euh, vous allez sur utiliser les commandes slash et vous allez sur imagine prompt donc euh, imagine prompt ça va avec parfois s'il n'est pas là il est juste un peu plus bas voilà il, est en, voilà il est ici on peut le retrouver ici donc je clique ici et là alors le, de mon côté le copier coller avec la souris ne marche pas donc je fais un ctrl v voilà pour euh, euh, bah, copier ce que j'ai enfin euh, coller ce que j'ai copié euh, dans un autre document a winged, a winged horse galloping elegantly across a galaxy on va voir ça et c'est parti. On attend qu'il prenne cette commande, envoie de la commande. J'espère que ça va bien fonctionner. Voilà, donc la commande est partie. Waiting to start. On va compter combien de temps ça prend. D'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte un peu vite. 12, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et voilà. 22 secondes, voilà, voilà ce que j'ai obtenu en 22 secondes, euh, plus ou moins, entre 20 et 25 secondes. Après avoir appuyé sur Entrée, voilà ce qu'il me donne. Voilà, ça c'est l'IA qui vient de produire cette image sous mon commandement. Alors. Comme on peut le voir, bon là c'était un peu un essai euh, au pifomètre. La consigne n'est pas exactement respectée parce que je lui ai demandé que le cheval galope sur une galaxie. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement Bon, dans, dans mon esprit, j'imaginais, vous savez, cette, cette formule classique de la galaxie, un rond comme ça, enfin, une, 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 un assemblement d'étoiles ovales avec un cheval qui galope dessus. Alors, elle n'a pas exactement fait ça, mais il m'a fait quelque chose qui et pas très loin quand même et qui est surtout très beau. Donc vous voyez là j'ai des, euh, je peux euh, donc enregistrer les, les quatre euh, images en bonne qualité sans problème. Donc voilà je les mets dans mon dossier images. Et euh, bon déjà qu'est-ce que vous en pensez ouais. Pour Les gens qui se disent mais comment ils font euh, tous ces mecs qui utilisent mid journée, euh, ils arrivent à faire des photos incroyables, enfin des images incroyables. Comment ils y arrivent Ça doit être super compliqué et tout. Ben, en fait non, ça l'est pas du tout. J'ai été moi-même surpris. Alors ici, vous pouvez euh, télécharger eh bien, celle que vous avez préférée. Alors je ne sais pas, moi, disons que ma préférée, euh, c'est soit la 2, soit la 4. La 4 est plus colorée, c'est plus sympa. Donc je vais choisir la 4. Je vais télécharger U4. Donc je clique sur U4. Et là, il va euh, réfléchir quelques temps pour me proposer, euh, mais bien simplement pour me la pondre, pour me pondre cette image. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 57, 58, 59, 60. Une minute, voilà. une minute pour m'offrir cette image sublime en très bonne qualité. Donc ensuite je clique et je l'enregistre dans mon stock d'images créé par l'IA mid N'est-ce pas fantastique Nous allons faire quelques autres euh, essais ensemble et cette fois je vais euh, couper les moments d'attente. Simplement pour vous montrer que l'IA peut produire des résultats variés euh, à partir de demandes variées, elle aussi. Donc, on va, ça, on va voir ça tout de suite. La, ma, ma deuxième proposition, c'était « A juicy apple bitten by a young white man, re, white woman, realistic photo, snowy scenery ». Donc, c'est une pomme croquée par une jeune femme blanche euh, dans un style photoréaliste. Et avec un décor autour enneigé. Ouais, c'est quand même assez, c'est très précis. Hein, ce que j'ai demandé, on va voir ce que, on va voir ce que, voilà le résultat. Alors, alors là c'est intéressant. On voit qu'une des phrases que j'ai écrite, "Byton", euh, a été interdite. <laughs> Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça renvoie à quelque chose de potentiellement sexuel. Donc ça a été, euh, on... il y a des mots qu'on ne peut pas écrire. Donc à la place de Byton, je vais mettre « "Eton". Voilà, et là ça, cette fois ça a fonctionné. Ça exprime à peu près la même chose. Donc euh, je pense qu'on aura un résultat similaire à ce qu'on recherchait. On voit que les autres proposent des choses pas aussi intéressantes. On peut, on peut d'ailleurs télécharger les, les autres images produites par les, les, les autres utilisateurs. Certains s'amusent, regardez. <laughs> ah regarde, on s'approche là. On s'approche d'un résultat intéressant. Voilà. Donc là ça, ça vient de se terminer. Et regardez ce qu'on me propose. Voilà, une, une pomme croquée par une jeune femme blanche dans un décor enneigé. Alors, c'est très propre, c'est très beau. Il y a une chose que Liane ne sait pas bien faire pour l'instant ce sont les doigts. Regardez, il y a des défauts sur les doigts. En fait, ça n'a pas l'air de doigts humains. Regardez ici. En fait, c'est comme si elle n'avait pas de pouce. Elle a trois. trois... <laughs> Enfin 5 doigts mais sans pouce. Alors que de l'autre côté elle a un pouce, c'est assez étrange. Donc euh, je dirais que les, les, les deux photos... Euh, bah, celle-là me semble assez réussie. En plus elle m'amuse parce qu'on dirait qu'elle croque euh, dans la pomme et que c'est... Euh, comment dire il y a de la neige également. Donc je vais l'enregistrer. Le, voilà, la, la pomme a un goût de neige. Donc j'aime bien celle-là. En fait si on regarde bien les images, alors celle-là elle, elle louche un peu, cette fille-là, ainsi que celle-là. Ça, c'est un petit défaut qui pourrait être corrigé. Mais d'ailleurs, un graphiste peut passer derrière. Pour l'instant, on est dans une, dirais, une étape de création où IA et graphiste peuvent marcher euh, euh, sur un même chemin, c'est-à-dire. Euh, L'IA propose quelque chose et le graphiste ajuste en fonction de sa recherche et des défauts qu'il peut constater sur l'image qu'on lui a proposée. Euh, ici, celle-là est franchement pas loin d'être parfaite. Les doigts sont un peu trop longs, peut-être pour une femme. Euh, ici aussi, je l'aime bien. Celle-là, simplement elle louche un peu la, la fille. Donc les résultats ne sont pas toujours parfaits. Mais enfin... Ça s'est produit en 20 secondes, hein. Donc, euh, et euh, mi-journée, ça a quelques semaines, ça a, je crois un mois ou deux. En tout cas, ça fait euh, un mois ou deux qu'on peut publiquement l'utiliser, peut-être un, peu peut un peu plus. Mais euh, pour ma part, je l'utilise depuis trois semaines et j'ai déjà vu les améliorations. C'est-à-dire que j'ai déjà vu l'IA, les, les doigts c'était pire avant, ça ressemblait vraiment à rien il y a encore une semaine. Donc euh, je ne doute pas qu'il y aura encore des évolutions très positives. Alors, je continue de m'amuser avec la prochaine proposition. Alors là, si je lui demande une affiche de cinéma d'un film historique qui euh, mettrait en scène Louis XIV et le château de Versailles. Oui, c'est le genre de film qu'on a vu assez souvent. On va voir quel, quel résultat eh bien, on aura avec ça. Regardez le genre de choses que, que les gens arrivent à faire. Donc là, une image dans un style euh, féerique. Qui évoque un peu, je sais pas, la petite sirène ou un dessin animé de ce genre. Ah oui, la petite sirène on la voit ici d'ailleurs. Alors de mon côté, eh bien, j'attends le résultat par rapport à ma demande. Donc une affiche de cinéma, c'est presque prêt. Bah ben là, ça vient de se terminer. Et voici ce que me propose l'IA. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Donc, je trouve que ça fait vraiment affiche de cinéma. Quand on lui demande une couverture d'album musical ou une affiche de cinéma, ça fonctionne vraiment à merveille. Euh, on est, enfin, je suis bluffé à chaque fois. Regardez ici, cette, euh, surtout la, la dernière, euh, on croirait vraiment un vrai acteur euh, et l'affiche d'un vrai film de cinéma. Par contre, vous avez constaté que le, donc le, il va inventer un titre. Midjourney va inventer un titre qui ne correspond pas, qui ne correspond à rien. On dirait qu'on en parle en langage, en langue alphique, ici. Mais sachez que même si j'avais mis un titre. L'IA, très curieusement, ça paraît très facile pourtant. Hein, mais quand je lui dis, euh, fais-moi une affiche de cinéma pour un film dont le titre est, entre parenthèses, je mets le titre. J'ai tout essayé. J'ai essayé entre, entre les virgules, entre parenthèses. Pour l'instant, dans les, dans les mots, il me met n'importe quoi. Mais encore une fois, vous avez la base. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à changer la police ici. Un graphiste, euh, vous travaillez en association avec un graphiste. Le graphiste peut vous mettre le nom du film. Voilà, si c'est euh, Louis XIV à la place de Rive Weizhuk, <laughs> il met Louis XIV et hop, c'est terminé dans un, une police similaire à celle qu'on voit ici pour rester euh, raccord je dirais, avec l'esthétique euh, de, euh, de ce qui est proposé là. Vous voyez Donc, euh, c est, c est, encore une fois, ce sont des choses qui vont être améliorées. Je ne doute pas que ça évolue vraiment tous les jours. Peut-être au moment où je vais poster cette vidéo, eh bien, les titres euh, des films seront euh, copiés parfaitement et l'IA n'aura plus du tout ce problème de compréhension. Donc là, regardez, mais je ne sais même pas... Là, le visage n'a pas l'air très réussi. Mais la photo 1, la photo 3, la photo 4, c'est parfait. C'est parfait. Ça peut faire l'objet euh, tout à fait d'une affiche de cinéma. En tout cas, je suis convaincu. Je vais l'enregistrer euh, comme ça, vous pourrez la voir en plus grand de votre côté. Et vous voyez, encore une fois, ce sont des choses. Ah ben, je l'avais déjà fait. Ah ben, tiens, je l'avais déjà fait. Je ne me souvenais plus. Euh, où est-ce Ah oui, je l'avais déjà fait. Alors, il y a une chose dont j'ai oublié de parler c'est que vous avez. 25 quand vous lancez le compte mid journée vous commencez à produire des images vous avez le droit de produire 25 images gratuitement à la suite de cela et eh bien vous ne pourrez plus le faire ou il faudra recréer un compte discord et si vous souhaitez l'utiliser bah, à des fins professionnelles ou de divertissement eh bien euh, vous êtes amené à enfin, on vous propose de vous abonner et de payer euh, je crois que c'est euh, l'abonnement mensuel c'est 15 ou 20 dollars 20 par mois. Voilà, il y a un abonnement euh, pour une durée plus longue qui est euh, qui existe aussi. Donc euh, faites attention quand vous commencez à prendre des images, vous pouvez vous amuser sur quatre ou 5 images. Après, si vous avez vraiment besoin de quelque chose en particulier, ben, sachez que vous avez en tout 25 essais gratuits. Ensuite, ben, il faut... Il faut payer. Voilà, il faut payer, ce qui est bien normal. Et d'ailleurs, j'hésite à le faire parce que je trouve ça super utile et j'ai envie de les aider à rendre leur, leur IA de plus en plus performante. Alors là, j'ai demandé un pari futuriste dans, dans, avec la tour Eiffel dans un coin de l'image et un style de couleur rétro Wave avec pas mal de couleurs fluo. Voilà ce que j'ai demandé, c'est bien précis. Mais je, en général, elle réussit assez bien ce genre d'image. Y a pas mal de. Je pense qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui lui demandent ça à regarder. <laughs> C'est amusant ça. Une histoire d'amour apparemment entre Batman et Superman. J'ai quelque chose à te dire. Batman, je t'aime. Il est difficile pour moi, Superman, d'exprimer mes sentiments. <laughs> Excellent, mais super bien fait. Super bien fait. On va voir ce que ça donne de mon côté. Je suis assez impatient. Je euh, le... suis impatient de voir ce que sera Paris en lendemain, ça va regarder. Et voilà. Et voilà, il me l'a pondu en quelques secondes. Là, c'était du temps réel. J'ai même pas fait de coupe. Euh, vous avez vu, c'est incroyable. Donc j'enregistre l'image. Je suis très satisfait. Alors là, je les aime tous. Hein. Euh, je ne sais pas le. Oh là, là, je sais pas lequel choisir. Euh, disons que voilà, si je veux scène là, en, en... scène là ou scène là, je me demande. Vous voyez, Saint Wave, il a, il a vu, enfin. Euh, il... Dans toutes ces données, il a remarqué que souvent la Sainte Wave et l'univers Sainte Wave étaient liés aux années 80, bien sûr, et aux, aux voitures, au style futuriste qu'on imaginait dans les années 80. Donc il y a deux des quatre images où il y a une voiture, je trouve ça assez amusant. Mais j'ai une petite préférence pour la 2. Donc je vais lui demander la 2 en grand format. Et, euh, et ensuite je vais lui demander, tiens, V2, parce que je ne sais plus exactement ce que c'est V2. On va voir. Théoriquement, il ne faut pas lui demander trop de choses en même temps, mais là, j'ai. J'ai fait une entorse à mon, à mon règlement. Et pendant qu'il est en train de, bah de réussir ça, de me sortir donc des versions plus grandes, isolées, parce que parfois sur les quatre images, souvent il y en a une ou deux qui sont pas terribles. Et puis je dirais qu'il y a toujours 25 ou 50% qui sont vraiment utilisables. Donc euh, c'est pas mal qu'il en propose quatre dès le début. On peut partir comme ça sur une, sur une piste. Et ceux qui ont la version payante bah, peuvent euh, demander à... À mi-journée, des, des améliorations, ou même à partir d'une même commande, vous pouvez taper trois ou quatre fois la même commande, il ne vous proposera jamais les mêmes, euh, les mêmes images. C'est ça qui est. Le potentiel est infini, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais personnellement, je trouve ça extraordinaire. Et là, pour la suite, je vais lui demander une peinture d'un ange aux yeux bleus dans le style de Léonard de Vinci. Donc, vous c'est assez ambitieux. On va voir si l'IA est capable de me proposer quelque chose. Euh... <laughs> Il y a souvent des gens. Alors, il y a des gens qui se font plaisir. Par exemple, on voit, que on voit clairement que certains demandent à l'IA des logos. Alors, ils n'ont pas envie de s'embêter avec un graphiste. Alors, ils disent voilà, j'ai une pizzeria. Euh, je voudrais un logo pour ma pizzeria. Est-ce que tu peux me proposer ça Et euh, parfois, quand vous restez quelques minutes, euh, un petit moment, voilà, sur. sur bah, un des groupes, vous voyez que plusieurs fois la même personne va demander des logos de pizza, des logos pour une marque de skate, pour une marque de t-shirt. Donc ça c'est, euh, déjà très utilisé. Hein. C'est ça que je, que je voulais dire. Regardez, en quelques secondes, il y a eu des tas de propositions. <laughs> Apple, quelqu'un a fait Apple has fallen on the Isaac Newton head. Donc une pomme est tombée sur la tête d'Isaac Newton. Alors, regardez ce qu'il nous propose. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Encore un une fois, les doigts ne sont pas très bien faits. Alors là, c'est fabuleux celui-là, on dirait du Dali. Imaginez si un peintre avait vraiment produit ça, on serait, on serait stupéfait, on trouverait ça magnifique. Euh, en particulier, je ne sais pas pourquoi c'est l'image 2 qui est réussit. En tout cas, c'est du hasard, mais je l'ai remarqué. Hop, il a encore fait quelque chose <laughs> dans le même style. Il <laughs> ah, y a de quoi s'amuser, il hein, y a vraiment de quoi s'amuser. Alors là, euh, et ben ah, il m'a fait. Ah Extraordinaire. En fait, V2. U, quand vous tapez sur U, U1, U2, U3, U4, ça vous donne l'image en grand format, tout simplement. Et quand vous tapez sur V1, V2, V3, V4, c'est que vous demandez une, des variations autour de l'image que vous avez préféré. préférée. Donc l'image que j'ai préférée, c'était l'image 2. Et en fait, en tapant V2, propos, je lui ai demand, commandé 4 versions alternatives de la version 2 qui était celle qui me plaisait le plus. Donc voilà à quoi servent le, les versions V1, V2, V3, V4. Que demande le peuple Moi, je suis... Euh, je suis scotché on va euh, tester une dernière chose et puis après je vous montrerai euh, comment mettre votre visage euh, même si pour l'instant la fonction n'est pas très bon, c'est pas, pas hyper convaincant mais la fonction existe euh, parce que le, le problème c'est que pour l'instant ça déforme les visages qu'on lui, qu lui montre c'est à dire on lui, on lui met notre notre tête et ou n'importe quel visage, même en une très belle photo, hein, c'est pas, pas la question. Et on lui dit, bah, change seulement le décor et garde ce visage-là. Et en général, il modifie le visage. Donc on va voir ce que ça donne ici. Ah là, il m'avait donné la, la version. Euh, bah je, la, je vais la télécharger tant que j'y suis. Touc. Ah, c'est très beau. Hein. Et là, est, on est sur de la HD, il hein, n'y a pas de problème. Vous pouvez créer des fonds d'écran à l'infini. Avec ce type d'option, euh, c'est fabuleux. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, je lui ai commandé une, une peinture dans un style à la De Vinci, à la manière de De Vinci, avec comme objet à l'intérieur, enfin comme sujet, un ange, un ange aux yeux bleus. Regardez ce qu'il m'a proposé. C'est. Je, je, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Alors, y a, bien sûr, c'est encore imparfait. Mais c'est tout de même étonnant. C'est tout de même étonnant. Imaginez le travail d'une IA graphique comme celle-là sur 2, 3, 4, 5 ans. Les choses qu'elles vont nous proposer seront extraordinaires. Extraordinaires. Et par certains aspects, ça l'est déjà. Alors, le, le, une des plus jolies, c'est la première pour moi. Mais euh, le, on va dire que y a, dans le regard, il y a quelque chose d'angoissant qui ne traduit, traduit pas la sérénité qu'on cherche euh, quand on veut peindre la figure d'un ange. Alors que je trouve que cette sérénité est totalement présente dans la dernière image. Euh, les yeux sont peut-être d'un bleu un peu trop éclatant. Il faudrait euh, désaturer un petit peu. C'est trop bleu, c'est trop fluo quasiment. Mais enfin, c'est magnifique. Voilà. Je rappelle que ces, ces peintures n'existent pas. C est, c est, elles sont proches des peintures de la Renaissance euh, voilà, qu'on qu qu a pu voir depuis qu'on est petit, mais c'est proche, mais c'est pas exactement la même chose. C'est comme si un peintre venait de produire en 20 secondes cette chose-là, en 20 secondes, j'insiste bien là-dessus. D'ailleurs, celle-là, la, la dernière me plaît tellement que je pense que je vais en, en faire un agrandissement. Donc comptez environ euh, 20-30 secondes pour euh, la production d'une euh, un, image. Et ensuite, quand vous lui demandez une version eh bien, euh, isolée, c'est-à-dire sur les quatre, vous en choisissez une ou deux, eh il vous met presque une minute à vous proposer la version donc, en plus grand format euh, que vous pouvez utiliser et qui est en très bonne définition. D'ailleurs, vous pouvez lui demander, le, euh, si vous avez besoin d'une taille en particulier, vous pouvez lui, lui, demander, lui proposer les dimensions. Vous pouvez mettre en 4K, si vous voulez en 8K. Voilà, Montre-moi une image, hein, euh, crée-moi une image en 8K que je puisse télécharger. Et. Euh, mid journée, le fait sans aucun problème. D'ailleurs, tiens, je vais essayer une, le V4 aussi. Alors, pour que les, là, dans les, pour les besoins de ma vidéo, je me dépêche un peu, mais pour que les calculs fonctionnent bien, et pour ne pas qu'ils s'emmêlent les pinceaux, et que ça prenne trop de temps, plus de temps que prévu, eh bien, il vaut mieux attendre qu'il ait fini une de vos commandes avant de lui en passer une autre. Toutefois, là, je vais euh, euh, ne pas respecter ma propre consigne et je vais lui demander donc de me proposer quatre autres versions de l'image 4 qui avait été ma préférée. Et on va voir ce que Midjourney va proposer. Pendant ce temps, je prépare donc ma photo. Voilà, j'ai choisi une photo. Dans un premier temps, vous glissez la photo. Donc là, je suis dans mon... La rubrique image de mon... Euh, voilà. Je, je... Il y a une photo de moi, qui est en plutôt en bonne qualité. Je l'envoie comme ça dans le groupe Discord. Et il... ça, c'est la première étape. Cette première étape est nécessaire afin d'obtenir... L'URL de, de mon image, de ma photo. Alors vous allez voir ça tout de suite. Euh, c'est très rapide. On va voir s'il m'a envoyé les versions. Donc là c'est moi. C'est ce que je viens d'envoyer. Est-ce qu'il a terminé Voilà, bah, il l'a terminé. Regardez, bah, il m'a fait quatre versions alternatives. Il m'a fait quatre versions. Alors c'est très proche. Hein? Regardez. Observez que on, de loin vous avez l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Je peux vous assurer que ce sont des versions différentes mais extrêmement similaires les unes aux autres. La couleur des cheveux change un petit peu, euh, la forme du nez n'est pas exactement la même. Ici, on voit que la couleur, là, on est plutôt sur du bleu, ici, c'est plutôt orange, enfin, euh, jaune, mais dans tous les cas, c'est joli. Hein. Dans tous les cas, c'est très, très beau. Et là, il m'a donné, donc, en, en grande version, enfin, euh, en grand format, ah, c'est une des plus belles images que j'ai créées, là, on tombe bien, là, pour, le, pour le, les besoins de la vidéo, c'est fabuleux. Hop, je la garde et je la stocke. Et je ferai un quiz demain sur, je sais pas sur Twitter, je dirais quel est le peintre qui a produit cette magnifique, ce magnifique visage d'ange aux yeux bleus. Eh bien, c'est Midjourney, une IA créée par les hommes. Donc là, on retombe sur mon visage que j'avais une photo que j'avais mise dans le groupe. Et à présent, vous pouvez copier l'URL, donc c'est copier le lien de la photo. Cela est nécessaire afin de commander une image. Qui prennent pour base cette photo. Donc vous avez toujours pareil, Image Prompt, contrôle V. Donc là vous avez l'URL eh de la photo. Euh, observez que j'ai mis des petites, euh, des petites flèches, la flèche de gauche, la flèche de droite, je pense qu'il y en a plus ça comme ça. Comme ça l'URL est bien encadré. Et ensuite vous pouvez en plus lui donner une consigne, parce que là vous lui avez simplement donné l'URL de l'image. Donc à partir de ça, il peut tricoter quelque chose, mais il n'a pas vraiment de, de direction où aller. Donc là, je vais lui dire euh, tout simplement euh, le même visage dans un autre décor. En même temps que vous, je m'embête pas. Je vais sur Google Translate. Comme je suis en train de faire de la vidéo, j'arrive pas à, à utiliser mon cerveau pour, pour, pour produire une phrase en anglais. Alors je vais dire même visage que sur la photo. Décor enflammé et terrifiant. Mon idée, c'est que je voudrais qu'il crée autour de, de, de mon visage, qu'il le détourne en quelque sorte et qu'il euh, mette un décor euh, surnaturel et effrayant tout en conservant ma photo. Voilà, on va voir ce qu'il me propose. Mais là, en l'occurrence, il modifie un peu tout, donc on a des visages qui ressemblent, en l'occurrence à ma personne, puisque c'est une photo de moi que j'ai publiée, mais qui ne sont pas moi, alors vous allez voir ça tout de suite. Regardez, oui regardez, <laughs> d'ailleurs, <laughs> il m'a grossi, il m'a grossi considérablement, il a grossi mon nez, il a grossi mes joues, euh, donc l'image je vais dire qu'elle est la plus sympathique, ça me semblait être celle-là en haut, donc je vais conserver celle-là. Et vous montrer. Donc, encore une fois, c'est peut-être un problème de commande. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas quand je lui dis « même visage ». Je ne sais pas pourquoi, mais il ne comprend pas exactement ce que eh bien j'attends de lui. Mais le décor enflammé euh, et l'univers infernal que je lui ai demandé, ça, euh, en second plan, derrière le visage, il me l'a donné. Voilà, ce problème, c'est qu'il a modifié mon visage. Il y a des IA qui permettent de conserver le, le visage, et euh, de modifier le fond sans que ça altère les traits du visage et eh bien que vous voulez euh, incruster dans un nouveau décor. Mais concernant mid-journée, euh, j'ai essayé même une fois de fusionner deux images, ça n'a pas trop marché non plus. Donc, je suis là pour apprendre également si en commentaire, vous avez réussi à, à mettre une photo de vous, d'un proche ou de n'importe qui en bonne qualité. Hein, il faut mettre des, des photos en bonne qualité, c'est mieux. Comme ça, l'IA le, euh, reconnaît les traits. Et qu'elle a réussi tout en... Produisant l'image que vous vouliez à conserver le visage tel qu'il était, eh n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, parce que moi je n'y suis pas parvenu pour l'instant. Bon, on peut encore quand même dire regardez ça Sad boy looking through window at the rain and thunder. Un enfant triste qui regarde à travers la fenêtre, la pluie et euh, le tonnerre. Regardez, c est, c est... alors il y a un aspect un peu, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais un, un peu pictural. Hein. De loin on croirait une photo là on dirait c'est une peinture plutôt réaliste. Mais dans tous les cas, ce petit garçon n'existe pas. C'est la somme, euh, la synthèse de différents visages de garçons que l'IA a en stock dans sa base de données et qui, arrive à, qui lui permet ensuite de produire exactement euh, l'image euh, voulue. On n'est plus dans le même siècle. Pour moi, en, entre 2022 et 2023, on a, on a fait un bond non pas d'un an, mais de 20 ans. Et euh, les retombées de ces. Et de ces innovations ne, ne vont pas se faire attendre. Alors bien sûr ça, ça pose des questions. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui vont disparaître Est-ce que finalement euh, à quoi vont servir les hommes dans deux, trois, quatre décennies Je ne saurais pas dire. Mais en l'état, en travaillant conjointement avec l'IA, euh, voilà, une équipe de, de graphistes plus des IA peuvent donc euh, en eh bien, en fait en associant leurs forces proposer aujourd'hui rapidement des résultats euh, eh bien, à, à ceux qui leur demandent aux sociétés ou à des particuliers qui leur demandent un logo euh, qui leur demande un univers graphique pour un, un site web qui leur demande n'importe quoi en fait une équipe de football qui veut euh, un type de maillot particulier avec un type de couleur quelqu'un qui veut faire en autonomie un film d'animation et il cherche à faire une affiche, type affiche de cinéma, ben il va se va se faire aider par mi-journée et ensuite il peut demander à un graphiste de, de faire les joints, c'est-à-dire de d'enlever les imperfections ben pour avoir exactement l'affiche qu'il souhaite avoir. Enfin, c'est c'est magnifique, vous pouvez y passer la journée. Et d'ailleurs au début, on y passe la journée tellement on est ravi de voir euh, de voir un tel résultat là, on dirait le comment ça s'appelle L'ex de Julien Rogeti, je me souviens un D'ailleurs, Dutch Woman, elle n'est pas hollandaise. L'ex de Rogeti, bah voilà. <laughs> à croire qu'ils ont pris le visage euh, vlanden vling Vlingvlong <laughs> pour faire cette chose majestueuse. Alors moi, je cherche mon image, voilà. Donc je vais me demander, euh, oh, ça me ressemble un peu, ça me ressemble un peu, mais pas. C'est pas extraordinaire non plus, voilà. En tout cas, euh, je vous ai montré les rudiments de cette. Euh, du fonctionnement de cette, cette IA à vous maintenant de faire vos propres, propres tests, vous avez en description les, tous les liens nécessaires euh, d'ailleurs il y a un lien explicatif si vous n'avez pas compris quelque chose dans la vidéo que je viens de faire, Eh bien ce lien qui est un article en français, vous expliquera pas à pas comment faire ce que je viens de faire devant vous, Eh bien pour produire des images essayez au moins, essayez euh, l'IA mid-journée, mais l'essayer c'est l'adopter vous risquez de devenir accro comme euh, bah, c'est <laughs> le cas avec moi J'arrive pas à m'en passer. Pour être franc, là, je viens de créer un compte Discord pour pouvoir continuer à, à l'utiliser euh, gratuitement. Après, je pense que je n'ai pas, pas testé de faire ça chez moi. Là, je suis à mon studio et je ne m'étais jamais connecté à Midjourney journée de mon, depuis mon studio. Donc, peut-être que ça marche aussi par adresse IP. Vous ne pouvez peut-être pas avoir plusieurs comptes Discord avec la même adresse IP. Donc, euh, faites attention quand même. Et pour ceux bah, qui en ont l'utilité, à la limite, il euh, y a un, Payez, hein. enfin abonnez-vous pour continuer à utiliser sans limite cette, cette IA graphique qui vous fera gagner du temps et peut-être de l'argent pour certains créateurs de contenu. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation, j'en ferai d'autres. On n'a pas fini de parler d'IA, croyez-moi bien. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager si vous l'avez appréciée. Je vous dis à très très bientôt les amis. Vivement demain, vivement le futur. Ciao, ciao